n'est plus sérieux. Je dis d'abord qu'il ressemble tout à fait à ces sirènes qu'on voit exposées dans les ateliers des sculpteurs et que les artistes représentent avec une flûte ou des pipeaux à la main. Et dans l'intérieur desquels, quand on les ouvre, on sépare en les deux pièces dont ils se composent, on trouve des statues de divinité. Je prétends ensuite qu'il ressemble au satyre Marsyas. Et n'es-tu pas aussi joueur de flûte? Oui, sans doute. Étonnant que Marsyas, celui qui charmait les hommes par les belles choses que sa bouche tirait de ses instruments. Et autant en fait aujourd'hui quiconque répète ses airs. En effet, ceux que jouaient dans la pousse, je les attribue à Marsyas, son maître. La seule différence, Socrate, qu'il y ait ici entre Marsyas et toi, c'est que sans instrument, avec de simples discours, tu fais la même chose. Avec serment les faits extraordinaires que ces discours m'ont fait et me font encore. En écoutant, je sens palpiter mon cœur plus fortement que si j'étais agité de la manie dansante des corribantes. Ses paroles font couler mes larmes et j'en vois un grand nombre d'autres me sentir les mêmes émotions. Tels sont les prestiges qu'exerce et sur moi et sur bien d'autres la flûte de ce satyre. Tu viens de faire mon ange, c'est maintenant à moi de faire celui de mon voisin de droit.
du chemin. Et s'il te plaît, descendons le long des bords de l'Ilissus. Là, nous trouverons une place solitaire pour nous asseoir où tu voudras. Je m'applaudis en vérité d'être sorti aujourd'hui sans chaussures, car pour toi c'est ton usage. Qui donc empêche de descendre dans le courant même et de nous baigner les pieds tout en marchant? Ce serait un vrai plaisir, surtout dans cette saison et à cette heure du jour. Je le veux bien avant ce nom qui cherche en même temps un lieu pour nous asseoir. Vois-tu ce platane élevé? Eh bien, là nous trouverons de l'ombre, un air frais et du gazon qui nous servira de siège ou même de lit si nous voulons. Va, je te suis. Dis-moi sans crainte, n'est-ce pas ici quelque part sur les bords de l'Ilissus que Boréan leva, dit-on, la jeune Orythie? On le dit, mais ne serait-ce pas dans cet endroit même? Car l'eau est si belle, si claire et si limpide que des jeunes filles ne pouvaient trouver un lieu plus propice à leur jeu. Ce n'est pourtant pas ici, mais deux ou trois stades plus bas, là où l'on passe le fleuve. On y voit même un hôtel consacré à Boréan. Je ne me le remets pas bien, mais dis-moi de grâce, crois-tu donc à cette aventure fabuleuse? Mais si j'en doutais, comme les savants, je ne serais pas fort embarrassé. Je pourrais subtiliser et dire que le vent du nord l'a fit tomber d'une des roches voisines quand elle jouait avec pharmacie, et que ce genre de mort donna lieu de croire qu'elle avait été ravie par Boréan. Ou bien je pourrais dire qu'elle tomba du rocher de la Réopage, car c'est là que plusieurs transportent la Seine. Mais à propos, n'est-ce point là cet arbre où tu nous conduis? C'est lui-même. Par Junon, le charmant lieu de repos, comme ce platane élargi et levé, et cet Agnus cactus avec ses rameaux élancés et son bel ombrage. Le
dirait-on pas qu'il est tout en fleurs pour embaumer l'air? Quoi de plus gracieux, je te prie, que cette source qui coule sous ce platane et dont nos pieds attestent la fraîcheur? Ce lieu pourrait bien être consacré à quelque nymphe et aux fleuves qui l'en usent, avant jugé par ses figures et ses statues. Goûte un peu l'air qu'on y respire. Est-il rien de plus suave et de si délicieux? Le chant des cigales a quelque chose d'animé qui sent l'été. J'aime surtout cet air touffu qui nous permet de nous étendre et de reposer mollement notre tête sur ce terrain légèrement incliné. Mon cher Phèdre, tu ne peux